Salut la Fitness Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode de la série La Minute Feel Good. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un point qui est plutôt super intéressant quand vous êtes malade, c'est la fièvre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas faire baisser la fièvre quand vous êtes malade. Peut-être que vous avez ce réflexe hein, qui est tout bête et que tout le monde a parce que c'est rentré dans les mœurs, c'est « Oh, on a un petit peu de fièvre, on se sent un petit peu malade, qu'est-ce qu'on fait ?» Petit Doliprane pour faire baisser la fièvre parce qu'on se sent vraiment pas bien. Et c'est là que c'est la mauvaise idée. Et oui, parce que votre corps, s'il produit de la fièvre, c'est qu'il y a une raison. Puis comme vous le savez, votre corps a un mécanisme automatique de préservation. Il va chercher à se préserver. Et c'est pour ça qu'il va déclencher de la fièvre. La fièvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous le savez déjà, elle va faire augmenter la température du corps. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, ça va permettre de shooter, bah! Comme ça, les bactéries, les microbes, tout ce qui va être en train de vous attaquer. Mais ça permet aussi d'augmenter le rythme cardiaque et donc la vitesse de la circulation sanguine. Comme ça, tous les moyens de défense vont pouvoir aller beaucoup plus vite sur le lieu de l'infection. Par les moyens des canaux sanguins. Mais il va aussi y avoir une augmentation de la production de globules blancs dans la moelle osseuse, une meilleure destruction des microbes par les macrophages. Ce sont des globules blancs qui vont venir en fait enserrer les microbes et les bouffer, d'où le nom de macrophage. Pour faire simple, en fait, ça va vraiment booster votre système immunitaire. Mais ça va aussi stimuler l'épuration du corps, donc pour éliminer toutes les toxines, et favoriser en parallèle la régénération cellulaire. Donc autant vous dire que la fièvre est magique. Alors qu'est-ce qui se passe si vous prenez un médicament qui va faire baisser cette fièvre? Eh bien tout simplement, déjà, dans un premier temps, au lieu de neutraliser les microbes, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien tout simplement, vu que la fièvre va baisser, bah, les microbes... Ils vont reprendre de la vie, là, ils vont être attaqués, et bam, ils vont rattaquer. Donc qu'est-ce que ça va faire? Quand vous faites baisser la fièvre, vous allez mettre beaucoup plus longtemps à guérir. C'est con, hein? Mais autant souffrir un petit peu avec un petit peu de fièvre et qu'on soit vite débarrassé de la maladie, plutôt que d'attendre des jours que ça passe. Alors le message principal de cette vidéo, c'est quoi? C'est que votre corps est une machine très intelligente. Donc vraiment, écoutez-le, laissez-le faire quand il a des réactions, c'est qu'il combat. Et parfois, même si ces mécanismes peuvent paraître négatifs, sachez qu'ils sont vraiment là pour votre bien, dans la majorité des cas. Alors bien sûr, si vous avez de fortes fièvres et que vous avoisinez les 42 degrés, faites-la redescendre un petit peu. C'est pas la peine de mourir. Et si vous avez l'impression que votre état de fièvre vraiment dure plusieurs jours et que ça ne redescend pas, eh bien c'est que votre corps a du mal à combattre la maladie. Dans ce cas-là, allez évidemment voir votre médecin qui vous prescrira des médicaments. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce petit format court comme d'habitude, sans trop de montage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Posez-moi vos questions, j'y répondrai toujours avec plaisir. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fait toujours super plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo et en cliquant aussi sur la petite clochette qui se trouve à côté pour ne rien rater des vidéos à venir. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description, vous connaissez. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!